Salut les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On est avec le Antrichard aujourd'hui. Salut. On va répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma story Insta. Vous avez mis dans la story que j'allais faire une vidéo où je répondais à toutes vos questions sur YouTube. Du coup, let's go. Alors, première question par Touan underscore BZN. C'est mieux cruiser ou VTT pour lever? Moi je dirais VTT, hein. C'est plus confort. Après, ça dépend de votre style, hein. C'est comme ceux qui disent je préfère un S-Bike à un MTB, tu vois, genre un C100. Moi perso, je préfère avec une petite suspension et un petit confort, tu vois. Après, c'est mon style. Par Didou underscore BKLF, depuis combien de temps tu lèves? Depuis combien de temps? Depuis mes 16 ans, non? Je dirais. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, donc ça fait 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Mais que j'ai commencé les combos et tout et que je fais sérieusement, c'est on va dire un an et demi, un truc comme ça, parce que j'ai beaucoup arrêté. Et l'année dernière et l'année d'avant, il y avait des grosses pauses où genre Antoine il allait rouler, moi je roulais pas. J'allais faire d'autres choses quoi. Par One Way Biloot. One Way Biloot. Trop bas. C'est vrai que Collective Bikes n'envoie plus de vélo en France. Exactement, ouais, c'est à cause du Covid. Ils en voient plus et. Alors que Swahib il a reçu un colis, je dirais pas ce qu'il a reçu, mais c'est un peu. Enfin, je sais pas, c'est de la malchance pour les autres quoi. Il y a quelqu'un qui peut recevoir un C. Voilà, je dirais pas. Mais logiquement, ça peut pas être un C100 vu qu'il en a déjà un. Vous avez bien compris. Et pourquoi bah parce qu'il y a le Covid tout simplement et ils vont recommencer juste après, hein, dès que la frontière sera ouverte et que nous on pourra aller à Londres du coup, et bah les vélos pourront passer la frontière et aller en France. Par, j'arrive pas à lire le nom, désolé. What c'est is the name of your MTB? Jacob TBM. What is the name of your MTB? Donc quel est le nom de ton vélo? C'est un. Pff, il a pas vraiment de nom. Hein. En fait, le cadre, the frame is a C100. Et après, j'ai fait different parts in the bike. It's my kind of MTB. De low underscore bikes, tu filmes avec quoi tes edits? Avec ce que je filme là, la vidéo actuellement, ce qui est une GoPro Hero 9 Black que je me suis bien fait niquer. Je suis allé à Grenoble, je l'ai acheté 520 sur un coup de tête comme ça, alors que ce con il l'a eu pour 200 balles de moins. Et oui. Et voilà. Toujours de low underscore bikes, c'est qui le mec que tu kiffes le plus dans la bike life? Little Harry, c'est mon exemple. Parce que déjà il a exactement le même âge que moi, il a 19 ans. Et il a commencé jeune, genre vers 14, 15, 16, je dirais. 15, ouais. Il a fait beaucoup de vidéos YouTube. Je kiffe ses vidéos YouTube, genre quand il fait du trafic et tout. Et ouais, c'est ma source d'imagination, quoi. C'est pas mon exemple non plus, tu vois. Je suis pas un fan, mais je kiffe son style et ouais. Du coup, c'est ce que je kiffe le plus. De rdlf.rreda. Tu peux faire un tuto step, STP, je galère un peu. Pour faire des steps, ouais, chaud. Chaud, chaud. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous êtes plusieurs. Et ouais, sûrement je ferai ça. En vrai, c'est pas très compliqué. Hein. C'est surtout savoir faire du frame à l'arrière, mettre le pied sur le cadre, lever, s'entraîner comme ça et tenir longtemps. Et après, vous avez juste à sauter. Enfin, juste. C'est pas, enfin, c'est dit facilement comme ça, mais en vrai, c'est vrai que quand on sait pas le faire, c'est compliqué. Vous avez juste après à sauter sur la selle. Et mettre des petits steps et tout, mais je vous expliquerai tout. Si vous êtes chaud, mettez-moi dans les commentaires. De DVD underscore bike, c'est qui pour toi le mec le plus chaud à Paris en frame? Wavo. Wavo. W-H-A-V-O. Il est chaud. Et ouais, il est très très chaud. Le petit chinois, il parle pas chinois. Hein. Vraiment. De BKLF.evan, tu comptes faire un tour de France? Là je suis en train de passer mon permis. J'ai fait d'ailleurs hier 2 heures de conduite. Il m'en reste encore 4. J'ai eu mon code. Ça fait un an que j'essaye de le passer. Là je l'ai enfin eu. Et une fois que j'aurai mon permis, vas-y go prendre une voiture. Et ouais, on va aller partout, mais vraiment partout, hein. Soit Cannes, Nice, Marseille, Lille. Enfin on va vraiment aller partout. Partout, ouais, partout. Partout, partout. Vous nous direz des villes et on verra où il y aura du monde, où on fera des gros rassemblements. Et ouais, on va faire des grosses vidéos partout. C'est prévu. De no underscore BRGS, ton prochain vélo? Un C2, j'aimerais bien. Mais comme je vous ai dit, bah, du coup, le Collective Bikes n'envoie pas de vélo actuellement en France.
Mais ouais, j'aimerais bien. Et sinon, un S-Bike, mais le problème des S-Bikes, c'est que faut commander et faut prévoir à l'avance, genre dire ouais, en avril, je vais avoir tel vélo, mettre de l'argent à l'avance. Moi, je suis pas trop dans ce style-là. Je préfère acheter direct à voir que de me dire ouais, vas-y, j'ai commandé, ça arrive dans 6 mois, là, c'est chiant. Du coup, un C2, mais faut juste que Collective Bikes, ils veulent bien envoyer des colis en France, quoi, c'est tout. J'attends que ça. De Tom underscore tronché, tu pourrais faire un tuto no end puis piécelle, ça serait super et continue comme ça, t'es super chaud. No end, bah en vrai, j'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, hein. Va checker celle de la semaine dernière. Et c'était quoi? No end des. No end des piécelles. Piécelles, bah du coup, c'est comme l'autre, hein, les steps. En vrai, c'est une fois que tu arrives à mettre du piécelle, après, t'as juste à tapoter comme ça sur ta selle et puis c'est des steps. Hein. Mais ouais, bah dites-moi dans les commentaires du coup si ça vous intéresse et je ferai ça. De CSS underscore Nailens vient à Toulouse cet été. Ok, c'est pas une question, c'est viens, tu viens mon gars, tu viens mon t'encule. De Max ou Bike qui ressemble un peu, on a déjà répondu. À quel âge as-tu commencé la bike life et où? Ou à Clamart, 9240, tu connais, impliqué, PLK et tout. J'ai commencé avec Antoine, on était en 3ème et j'ai commencé avec un vieux vélo. Hein. Et ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y aura au moins une question comme ça. J'ai pas lu les questions d'ailleurs, hein. Je vous réponds comme ça à l'improviste. Et j'ai fait exprès de ne pas lire les questions pour pas être avancé à mes réponses. Mais ouais, j'ai commencé avec un vieux vélo et j'ai commencé il y a 3 ans à Clamart. Ouais. De Nolan underscore RGT15. C'est quoi ton meilleur tricks? Je sais même pas comment il s'appelle. Ah. J'ai fait un réel avec Antoine, c'était à la place de la mairie. Mais non. Enfin, en gros, c'est le fait de mettre un criss-cross à l'arrière. Après, vous enlevez une jambe et là, vous faites comme ça direct. Et vous retombez sur les pédales. Quoi. Et ça m'a pris 45 minutes, 1 heure à le rentrer. C'était archi chiant. Et ouais, pour moi, c'est mon plus beau trick. Et sinon, ce que je kiffe le plus en trick, c'est mettre des steps ou des. Enfin, monter sur la selle, je kiffe. De LVR underscore Matteo. Salut Mathias, je voulais savoir si tu as déjà gagné de l'argent avec YouTube. Ah, pas du tout. Je viens de commencer YouTube, frérot, donc non. Et en vrai, ça m'intéresse même pas vraiment, c'est surtout avoir une communauté, de kiffer, de vous partager le plaisir que j'ai dans le vélo. Parce que franchement, même si j'aurais gagné de l'argent, croyez-moi, ça coûte tellement cher de faire du vélo. Et bah là, j'ai refait mon vélo, par exemple, vous pourrez voir dans la vidéo précédente. Et là, on peut vous mettre un petit avant-première. Mon vélo, il est fini. Bref. Et ouais, du coup, ça coûte tellement cher le vélo que en vrai, genre, même si j'aurais gagné de l'argent avec ça, genre, ça aurait pas vraiment. Je sais pas. Donc, non, j'ai jamais gagné d'argent. Et en vrai, vu ce que ça coûte le vélo, même si tu gagnes de l'argent, tu peux pas vraiment kiffer toi-même avec l'argent, quoi. Ça va tout partir dans le vélo. Ouais, et même les voyages, ça coûte super cher. Donc, en vrai, tu fais un voyage. Ça coûte cher. De Mathis Bikes avec 2 Z. Tu vas changer quoi sur ton vélo? Oula, bah t'as juste à regarder ma vidéo de juste avant du coup, où genre on refait tout et on vous explique comment entretenir et tout. Et la semaine d'après, bah il y a cette vidéo là du coup. Et bah tu vas dans la vidéo de la semaine dernière du coup. Voilà. Du coup. De FFW underscore Louis, ton spot préféré? C'est très dur. Hein. Ça dépend pourquoi en fait. Si tu veux faire des combos, moi je dirais la défense en vrai. Parce qu'il y a une longue descente, moi c'est pratique. Ouais, même à Clamart, en vrai, il y a des longues descentes et tout, c'est vide. Mais pff. La défense, c'est bien parce que c'est large, il n'y a personne et tout, il n'y a que des piétons. Donc c'est pratique, il n'y a pas de flics qui vont t'emmerder ou des voitures et tout. Mais sinon, ça dépend en spot. Et moi, je suis pas vraiment du style à faire. Je me pose à un endroit, je kiffe et genre je fais des combos et tout. Non, je suis pas dans ce style-là, je préfère faire du trafic et tout. Donc mon meilleur spot, je dirais que c'est Paris, tout simplement. Les voitures et les piétons sur la route, histoire de les surveiller, t'as vu. Voilà. Sinon, je n'ai pas vraiment un spot préféré. Quoi. Emerson underscore HCK qui pose comme question, tu te mets quand à la moto? Ok, je le connais ce mec. Big up à l'école des Roches. je me mets quand à la moto? Bah là déjà je vais avoir mon permis de voiture. Et juste après bah, je passerai mon permis de moto. Hein.
Et je sais pas si j'achète genre une MT-07 par exemple, ou alors une Ducati ou un truc comme ça, ou alors si j'achète une Crush, je sais pas, je verrai. Mais ouais, prochainement, je pense que sur ma chaîne YouTube, il y aura de la bécane. J'espère fort en tout cas. Déjà de la voiture avant et du voyage et tout, hein. Mais j'aimerais bien la moto. Ouais. De Ali Zaidi 75, tes parents, ils pensent quoi de la bike life? Mon père, en vrai, il kiffe. Il me dit, c'est lui en vrai qui m'a incité à mettre sur YouTube. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos YouTube et tout? Parce que tu fais tout le temps des vidéos et tout. Autant partager tout ça sur YouTube. Et j'étais un peu gêné, je me disais, ouais, vas-y, bizarre de faire des vidéos YouTube et tout. Et j'ai fait une vidéo YouTube où j'expliquais, je parlais beaucoup à la caméra. C'est ma vidéo où j'explique comment faire des combos. Enfin, quelques petits tricks, là, 5 tricks faciles. Il y a le crank flip et tout, des trucs bizarres. Et je me sentais grave à l'aise, j'ai kiffé parler à la caméra comme ça, expliquer et interagir avec une personne derrière l'écran. Et du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, genre, je kiffe et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, frérot, tu fais une vidéo tous les samedis 18h30. Et à chaque fois comme ça, et franchement, je kiffe. Ça, genre, je suis pas gêné et tout, et je kiffe me dire qu'il y a quelqu'un qui va regarder ma vidéo derrière, qui est intéressé, quoi. Et c'était quoi la question? Ma question, c'était, tes parents pensent quoi de la backlife? Ouais, du coup, mon père, ouais, je suis parti loin, ouais. je fais des vidéos YouTube, aucun rapport. Mais du coup, ouais, mon père, il aime bien et il m'a dit, ouais, il m'a incité à faire des vidéos YouTube. Ma mère, par contre, elle a un peu peur, mais si vous regardez les commentaires de chacune de mes vidéos sur Instagram, elle commente et croyez pas que c'est moi, je n'ai pas du tout son compte. Et ouais, elle commente mes vidéos et ma mère, ouais, elle s'en fout, juste la seule chose qu'elle a peur. C'est ce que a fait Antoine à côté de moi. C'est tu passes et tu frôles les voitures et t'as une portière qui s'ouvre et bam, tu te la bouffes. Ouais, c'est la seule chose qu'elle a peur. Parce qu'elle dit, ouais, sinon ça se voit, tu maîtrises ton vélo, tu fais attention, on voit bien, tu regardes gauche-droite et tout. En vrai, si vous faites attention, ok, je passe au feu rouge, mais je suis pas totalement fou, hein, je regarde pas en face de moi et je passe au feu rouge, je me dis pile ou face, je passe, je me fais écraser, face, je passe et je me fais pas écraser. Non, c'est genre, je regarde, je fais attention et tout, donc ouais, ça va, la confiance en moi et puis ouais, je kiffe ce truc et c'est ce qui me fait être heureux dans la vie, donc voilà. De Charles.RTC, que penses-tu de ton niveau? Bah franchement, je suis content parce que j'ai progressé, mais il est éclaté au sol parce que quand je vois le niveau de Jake ou Little Harry, non, en vrai, Little Harry, il roule plus trop, mais genre Jake ou des gens à l'aise sur la route, quoi, comme RJ et tout, je me dis, ouais, je suis éclaté au sol et tout, mais en vrai, c'est de l'entraînement. Il faut savoir que pendant une longue période, je me suis arrêté, donc je me dis, ouais, vas-y, c'est pas grave. Là, je vais m'y remettre fort, il y a le beau temps qui va arriver, il y a de lourdes vidéos qui vont arriver, genre des voyages, donc des vlogs, il y aura des vlogs même sur Paris où on va tous rouler. Donc bon, franchement, ça, je suis assez content, mais après j'ai beaucoup arrêté, donc je me dis vas-y, je vais reprendre mon niveau, quoi. De Adam underscore BKZ93, que penses-tu des BMX Cruiser type S-Bike? Est-ce que tu vas en prendre? Bah du coup, j'ai déjà répondu dans la question avant. Hein. Comme quoi je voulais m'acheter un C2, donc oui, j'aime bien les S-Bikes, mais j'ai répondu aussi pourquoi avant je voulais pas des S-Bikes. De Yanis MTSH, à quel âge du Council Wing, j'ai répondu, et qui t'a inspiré? Bah, Little Harry, j'ai déjà répondu. Et dernière question, toujours de Yanis MTSH, quels ont été tes différents vélos jusqu'à maintenant? Le vélo de mon daron, le MBK. Ouais. Harley Fourche Harley Davidson, parce que la fourche, elle est comme ça en fait. C'est pas une fourche genre avec suspension, elle est totalement rigide. Et du coup, bah, à force d'écraser, c'était un peu comme ça déjà à la base. Et à force d'écraser, bah, elle a fini comme ça. Du ouais, coup, c'est Harley Davidson. Ouais. Et après, j'ai eu un Monty. J'ai eu un Monty que j'ai acheté en Espagne au Bled, parce que je suis espagnol et français. Et je l'ai acheté au Bled avec ma daronne là-bas. Et ouais. Après, j'ai acheté un cube, je me le suis fait péter en 3 jours. Et à la gare de Clamart. Si tu regardes ma vidéo, toi, petit enculé qui a pété mon vélo. Là. On a resté toute une journée avec Antoine devant la gare pour guetter s'il n'y avait pas un bouc qui venait avec une camionnette pour voler des vélos. Pour l'enculé, tellement j'étais vénère. Je voulais acheter un Nakamura tellement j'étais déter. J'avais la flemme de mettre plus de 300 balles dans un vélo. Alors, j'avais mis 700 la semaine d'avant, quoi. Enfin, 4 jours avant. Et 4-5 jours après, donc du coup en une semaine, j'ai racheté le même vélo. Je suis allé sur la ref de ma commande et j'ai recommandé le même. Je l'ai commandé un peu après un bouc de Vélizy. Ça se trouve au nord de Clamart. Et
Après, j'ai acheté le cadre de mon C100, là. Enfin, le cadre C100 ouais. Pro. Et j'ai tout monté il y a un an et demi. Et là, je l'ai refait il y a pas longtemps. Enfin, il y a moins d'une semaine. Dernière question. Dites-moi si vous voulez une partie 2 dans les commentaires. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Quelque chose à dire? Franchement, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'il refera un épisode. Ouais, n'hésitez pas. Pas tout de suite, mais posez vos questions. On va faire ça.